Le vendredi 15 décembre 2017, j'allais chercher Hélène Gaudy et Xavier Mussa à La Roche-sur-Yon. Septembre. La maison serait tombée au fond du lac où elle se dissoudrait comme un morceau de sucre. Il faudrait s'approcher de la surface pour l'apercevoir couverte de limons et de plantes aquatiques. Lobélie, coléante, cresson. Bien sûr, on ne distinguerait pas ces pièces. Mais quelque chose de la maison resterait visible, comme une empreinte, une découpe noire. Ces eaux-là sont propices à ce genre d'impression. Les silhouettes qu'on y devine, pierres, os, animaux, l'épaisseur qui les recouvre rappelle, si on s'y penche, cette mélasse du temps qui isole les souvenirs, relègue les lieux dans un recoin perdu de la mémoire, auxquels on n'a accès que dans les longues solitudes, les ennuis profonds ou parfois les douleurs, les moments où la vie change subitement de cours et alors ressurgissent, sans qu'ils semblent liés d'une manière ou d'une autre à ce qui vient de faire obstacle, les paysages profonds qu'on avait oubliés. Il y a, à marcher aux abords du lac de Grandlieu, l'impression de s'enfoncer, de descendre. Il y a l'idée de forer, de creuser. Si l'eau est un miroir, il est ici sans teint, sans fond, maculé, charbon noyé, souche sèche, friable, arbre brisé, brindille chaudron de sorcière, et les fleurs toutes jeunes des genêts, sur fond nuit brune du cours d'eau. Thank you.
J'attends depuis une demi-heure dans la voiture, je n'ai pas bougé. Je filme de la voiture. Je filme la rue, les voitures qui arrivent. Je filme la façade d'en face, les fenêtres éclairées. Je filme les gens qui arrivent, les passants qui traversent. Voilà, c'est... On a filmé un lieu de passage, un lieu où il ne se passe pas grand-chose à vrai dire. Est-ce que ça peut faire une séquence? Ça, on verra au montage.